Bonjour les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Appliquez Vic Vaporub à la tous les soirs et profitez des effets étonnants après avoir vu ce que le vaporu peut faire sur votre corps vous serez très surpris et je vous assure que vous ne l'utiliserez plus seulement pour le froid il ne fait aucun doute que le traitement de la grippe est la plus connue des maladies car il a réussi à aider des millions de personnes dans le monde la vidéo que je vais vous montrer ensuite concerne une nouvelle fonction que nous pouvons confier au Vic, car grâce à ses propriétés il ne fonctionne pas uniquement pour les rhumes Regardez jusqu'au bout et découvrez par vous-même ce que vous pouvez faire avec le Vaporub. N'oubliez pas que Vic Vaporub ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de deux ans et qu'il est recommandé d'appliquer une petite quantité de produit sur la peau au préalable pour écarter les risques de réaction allergique. Utilisation étonnante de Vic Vaporub. Le Vaporub Vic sert de remède à la maison pour les hémorroïdes. Le vapor ubique soulage la douleur et l'inconfort causés par les hémorroïdes en réduisant l'inflammation. Il est conseillé d'appliquer la pommade sur les hémorroïdes de l'anus, de préférence avant de dormir et pendant 3 ou 5 jours, ou jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Pommade de Vic, alcanfor, Menthol, Thymol et Eucalyptus. Il est utilisé depuis des décennies pour soulager la toux et d'autres symptômes du rhume. Cependant, ce produit offre de nombreuses utilisations alternatives qui en font un médicament indispensable pour tous les membres de la famille. Cette crème d'odeur agréable d'eucalyptus ne doit être appliquée que sur la peau, car l'un de ses ingrédients, le camphre, peut être toxique. Utilisation de Vic Vaporub dans la glande. Bien que l'emballage Vic Vaporub soit indiqué pour ne pas être appliqué sur le pénis, certains hommes l'utilisent pour augmenter le plaisir sexuel. Vic Vaporub dans l'anus pour la toux. Traditionnellement, Vic Vaporub devrait être appliqué sur la poitrine ou le dos pour soulager les symptômes du rhume, tels que la toux et la congestion. Cependant, certaines personnes affirment qu'elle est beaucoup plus efficace lorsque la pommade est étendue sur les pieds ou l'anus. Il suffirait de couvrir les pieds avec des chaussettes après l'application pour commencer à ressentir les effets et se reposer paisiblement pendant la nuit. Comment maigrir avec Vic Vaporub? Préparez une crème réductrice avec du ubique, du bicarbonate de soude et de l'alcool. Mélangez les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquez-la sur les parties du corps à réduire et recouvrez-les d'un plastique noir ou d'une bande de coton. Cette crème réductrice maison lutte contre l'accumulation de graisse, élimine la cellulite et raffermit les tissus cutanés. Il aide également à réduire les baves, la graisse abdominale et quelques centimètres de jambes. Le produit n'est pas miraculeux, mais il brûle les graisses des parties du corps qui sont vraiment difficiles. Comment éliminer la douleur avec Vic Vaporub Pour éliminer la douleur du mal de tête, appliquez le Vaporub Vic sur le front et les tempes avec un léger massage. Le menthol aidera à soulager la pression. Comment éliminer l'acne avec Vic Vaporub Le Vaporub Vic renforce également les effets d'autres traitements contre l'acné, les boutons et autres boutons sur la peau. L'utilisation de la pommade diminue l'inflammation des gros boutons et les élimine. Contre-indication de l'utilisation de Vic Vaporub. Bien que le Vaporub Vic soit vendu sans ordonnance pour soulager la toux et la congestion, son utilisation est contre-indiquée chez les enfants de moins de 2 ans. En effet, le Vaporub Vic stimulerait la production de mucus et l'inflammation des voies respiratoires chez les jeunes enfants. En outre, en raison de sa forte teneur en camphre, Substance toxique pour le corps en cas d'ingestion, cette pommade ne doit jamais être appliquée sur les narines ou à proximité de celles-ci, comme le préviennent les fabricants. Les pédiatres veillent en effet à ce que le meilleur traitement pour soulager la congestion nasale chez les plus petits se fasse par l'utilisation de la solution saline traditionnelle, eau salée, et la succion douce avec un bouton en caoutchouc. N'oubliez pas de partager avec vos contacts, afin qu'ils apprennent les grands avantages de ce remède à la maison. N'oubliez pas que nous mettons en ligne des vidéos du lundi au dimanche. Ne manquez aucune de nos vidéos, chaque semaine, nous recevons des informations très importantes pour votre santé. Si vous avez aimé cet article, partagez-le avec vos amis et votre famille. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, Prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, but de prière, dans les commentaires faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse.